Top 10 des attractions les plus extrêmes au monde. Top 10 se suspendre à la tour CN de Toronto au Canada. Si vous êtes du genre à vous évader en montant les deux premières marches d'une échelle, oubliez tout de suite cette attraction. La tour CN Toronto, à plus de 550 mètres d'altitude, propose à ses visiteurs de marcher au bord de sa corniche. Et lorsque l'on vous dit au bord, c'est vraiment au bord. Et encore plus que cela, puisque qu'à marcher à son sommet, vous pourrez carrément vous suspendre au-dessus du vide. Aïe aïe aïe, ça fait peur. Top 9. Dévaler une pente dans une boule gonflable, direction Whitford en Nouvelle-Zélande, pour essayer à la dernière activité en vogue, le zorbing. L'objectif, dévaler des pentes dans une boule en plastique géante. Si l'idée de suivre les mouvements, ne la faites pas. Vous pourrez toujours opter pour l'alternative dans laquelle vous descendrez sur le dos et qui glissera sur un haut de la stratosphère de Las Vegas. Vous avez un billet d'avion Paris-Las Vegas? Alors, profitez-en pour vivre des sensations extrêmes au sommet de la stratosphère. Vous y trouverez Insanity's Ride, un manège à sensations qui fait tournoyer les visiteurs au-dessus du vide. Estomac retourné et sensations fortes garanties. Eh ouais. Top 7, un petit aller-retour sur la Lune? Tout simplement. Si vous avez 100 millions de dollars à dépenser, pourquoi ne pas offrir un petit voyage sur la Lune? La destination est désormais ouverte aux touristes. L'espace et l'aventure durent une dizaine de jours, soit un budget d'environ 10 millions de dollars par jour, ce qui est énorme. Top 6. Participer à un camp d'entraînement en Russie. Vous êtes adepte de l'incontournable Moday? Alors poussez l'aventure plus loin en vous offrant un billet d'avion pour la Russie. Là-bas, vous aurez l'occasion de participer à un camp d'entraînement tenu par des vétérans tchétchènes qui n'ont qu'un objectif en tête. Vous en faire voir de toutes les couleurs. Souffrir. Top 5. Se balader sur l'un des chemins les plus dangereux au monde en Espagne. Si vous prévoyez prochainement des vacances en Espagne, ajoutez un peu d'adrénaline au voyage en partant vous balader sur le Caminito del Rey, un chemin de randonnée extrêmement étroit. Top 4. Survoler le canyon du cuivre. C'est au-dessus du canyon du cuivre que nous vous amenons pour une expérience mémorable sur l'une des plus longues tyroliennes du monde. Imaginez un peu atteindre les 130 km/h, suspendu à plus de 400 mètres du vide, le long d'une tyrolienne de 2,5 km. Une expérience magique. Et top 3. Sauter à l'élastique au-dessus d'un volcan au Chili. Près du Pucón au Chili, vous pourrez survoler un volcan encore actif à bord d'un hélicoptère, puis sauter au-dessus du vide, simplement retenu par un élastique attaché à vos jambes. Il faut pas que ça craque, sinon tu crames. Une expérience réservée aux amateurs de sensations extrêmes et aux gros budgets. Ah bah tu m'étonnes. Top 2. Visiter une maison hantée en immersion aux États-Unis. Dans le New Hampshire, The Cult est une maison fantôme sur laquelle on ne possède que très peu d'informations. On sait toutefois que l'attraction se fait seule, que l'on y rencontre des animaux et que l'on y mange des choses douteuses. Claustrophobe à tenir. Ah bah tu m'étonnes, si tu dois être tout seul dans une maison hantée, tu peux que pleurer ta maman. Top 1. Survivre à la cage de la mort en Australie. Partez nager au milieu des crocodiles et n'ayez pas peur de vous retrouver face à face avec l'un des plus grands prédateurs au monde. Dans une petite cage transparente pleine de traces de morsures, vous aurez l'occasion de les voir de près. Même très près. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.